Mes meilleurs résultats ont été deux fois quart de finale à l'Open d'Australie, finale à Monte Carlo. Bonjour à tous, je m'appelle Hicham Arazi, je suis ravi de revenir à Agadir et vivre cette nouvelle expérience dans cette nouvelle énergie que le club est en train de créer. Tennis Club d'Agadir, voilà, c'est un club qui mérite. J'ai énormément de souvenirs ici. Quand j'étais plus jeune, je venais très très souvent. Donc voilà, je suis ravi d'être là aujourd'hui et de donner mon expérience à tous ces jeunes du Royal Tennis Club d'Agadir. J'ai eu la chance et le privilège de jouer tous les plus gros tournois du circuit professionnel. Et mes meilleurs résultats ont été deux fois quart de finale à l'Open d'Australie, finale à Monte Carlo et le titre que j'ai gagné au trophée à Saint-2. Donc ça, c'est vraiment un honneur et j'étais ravi de remporter ce magnifique tournoi. Et deux fois aussi quart de finale à Roland-Garros. Et mon meilleur classement était de numéro 22 mondial. Younes Aïnaoui, donc voilà, c'est mes confrères. On a vécu de très belles expériences sur le circuit et c'était une expérience magnifique avec des très bons résultats. On a la même passion et j'étais ravi de vivre cette expérience avec Younes Aïnaoui et Kalema Alami. Après ma carrière, je suis rentré. Je suis rentré chez moi à Casablanca. J'ai entraîné quelques joueurs marocains et je m'occupe aussi du trophée Hassan 2. Je suis directeur du trophée Hassan 2 depuis maintenant plus de 7 ans. Et bientôt, début octobre, j'ouvre voilà, moi aussi une académie à l'OCC à Casablanca. Et voilà, mon but c'est juste de donner de l'expérience à tous nos jeunes. Le meilleur conseil que je peux donner à nos jeunes, c'est de garder la passion voilà, du tennis et de se faire plaisir, surtout parce que ça reste un jeu. Après, tout dépend les projets de chacun et les jeunes qui veulent réussir, ou les femmes qui veulent réussir, c'est d'être rigoureux, de travailler toujours avec le plaisir et la passion.